Evelyne. Qui est cinquième. Émilie. Non, c'est Gaëlle. Applaudir. Miss Sourire, qu'on applaudit très fort, Daniela. Oui, alors maintenant on va assister à l'élection des plus grandes. Ça sera difficile de choisir parce qu'elles sont toutes belles. Alors le jury, je crois que... Bravo. Toutes ces demoiselles ont été coiffées par le salon de coiffure Jacques Holt de Montluet. On applaudit très fort. Les fleurs ont été offertes par le... Anaïs de Véno. On applaudit très fort. Sans oublier le supermarché Rally de Montluel qui a fait pas mal de cadeaux. Monsieur Parra et Madame Parra, bien sûr, par le petit effort aussi. Alors maintenant, place au jury. Préparez-vous. On va commencer par Myriam. Elle tremble, mais... Qui porte le numéro 7. Elle a voulu le numéro 7, on l'applaudit très fort. Oh là, c'est applaudissement. Quel âge? 21 déjà, hein. Quel artiste on aime? Aucun, bon alors c'est plus vite fait. Espoir? Aucun non plus, là on l'applaudit très fort quand même. Ah, elle aime que le boulot, alors on peut l'applaudir, hein. Alors donc, elle va passer parmi vous, vous pourrez l'admirer et lui donner la note qu'elle mérite. Alors le jury, préparez-vous. Alors donc, on a ça. Là aussi, il y en a un, il faudra pas oublier. Peut-être la première une fois. Et maintenant, on appelle Giovanna. Avec l'accent, alors on l'applaudit très fort. 15 mètres de cul. Heureusement qu'il y a plusieurs épaisseurs. Hein. Quel âge? 21 ans aussi. Et quel est l'artiste que tu aimes bien? Il n'y en a pas. Et comme sport? Eh bien, on va attendre donc. Maintenant, elle va aller faire un petit tour dans la salle aussi pour se faire admirer par tout le monde, sans accrocher la robe, bien sûr.
Merci vos applaudissements, Nicolas Broche. Eh bien bonjour, quel âge a Karine? 13 ans, aussi grande qu'à 21 ans. Hein? Et quel est le sport? Basket et chanteur, chanteuse. Michael Jackson, on l'applaudit très fort. Et elle va venir faire un tour parmi vous pour sa note. Je vous signale qu'elle a le numéro 9. Escalade et le chanteur ou la chanteuse. Moi je peux pas le prononcer alors.